Le directeur général des impôts et domaines, Ludovic Itoi, reçoit le prix sous-régional des bonnes pratiques fiscales 2023 pour les résultats satisfaisants obtenus par sa direction au cours de cette année. Un prix remis par le Comité international consultatif d'excellence qui se base sur les critères stricts de sélection pour récompenser les efforts des pays africains en matière de fiscalité. Le récipiendaire mesure bien l'énormité des défis à relever. L'année 2023 a été pour nous une année de succès. Ce prix est donc un défi continuel pour nous et nous avons l'obligation, chacun en ce qui le concerne, de continuer à remplir son office là où il détient sa parcelle d'autorité avec toute la détermination et l'énergie nécessaires. Car notre hiérarchie attend beaucoup de nous. Pour le président du Comité international consultatif d'excellence, Yves-Alain Foufi, ce prix est le fruit d'un bon management et leadership témoigné par le directeur général des impôts. Quelques faits ont retenu notre attention. Votre compétence professionnelle et personnelle, votre sens élevé de collaboration et surtout votre forte capacité d'écoute. Votre proximité avec le contribuable, votre intégrité professionnelle et enfin votre leadership éclairé. Voilà des éléments déterminants qui ont favorisé ce choix après une évaluation objective et rigoureuse et une analyse comparative avec des différentes candidatures parvenues à notre niveau dans le cadre de cette distinction. Lors de la remise de cette distinction, plus d'un témoignage relevant l'apport de Ludovic Itoi dans l'amélioration et la digitalisation de l'impôt ont été partagés.